Nous avons passé une semaine bien remplie avec pas mal de choses qu'on a vécues. Et le Seigneur ce matin nous visite, il nous visite parce que nous sommes dans sa présence. Et il nous convoque ce matin sur cela. Tout ce que nous avons pu vivre, nous avons bu sûrement des choses, nous avons eu des situations, des choses comme ça. Mais le Seigneur est là, de la même façon qu'il est venu à ce mariage et qu'il a transformé l'eau en vin. Et ce matin, il va transformer tout ce que tu as vécu, il va transformer ça en bénédiction. Amen. Afin que tu sois dans la joie et dans la paix de le servir, de le louer ce matin. Amen. 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 Eh bien, dis Amen. Amen. Hey, peuple de Dieu, la seule chose que tu peux faire le matin quand tu te lèves, c'est de crier, dire Amen. Merci Seigneur pour ce jour, pour le souffle de vie que tu me donnes encore. Alléluia. Danse, loue. Alors tape dans les mains, élève le roi des rois, célèbre le loueur ce matin. Hey! Oh, 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 oh. Tu transformas l'eau en vin, le touche à les yeux par ta main, nul n'est comme toi. Admirable, inébranlable,
dit, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, oh, qui pourra nous arrêter? Personne. S'il est avec toi, ce matin, personne ne peut t'arrêter. Dieu de ma paix, oh Dieu, et Dieu de ma joie.